Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire « Augmenter la performance de vos convoyeurs avec une lubrification précise ». Vos présentateurs aujourd'hui sont donc Mickaël Brian, moi-même, donc je me présente. Ça fait bientôt 5 ans que je suis chez SKF et donc j'ai commencé chez SKF dans la partie système de lubrification. Et donc Frédéric Rousseau, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Merci Mickaël. Eh bien, moi, je suis responsable produit et système lubrification de chaîne au sein de l'unité lubrification de SKF, en charge de toute la gamme de produits permettant la lubrification des chaînes. Très bien, merci Frédéric. Donc, nous allons animer ce webinaire pendant une demi-heure tous les deux, et ensuite nous passerons à la partie questions et réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation avec le chat qui se situe à droite de votre écran. Donc l'agenda de cette présentation, pourquoi lubrifier vos chaînes de convoyeurs, la partie lubrification manuelle, comment lubrifier correctement vos chaînes, ensuite un zoom sur le système CLK et donc les questions et réponses. Tout d'abord, pourquoi lubrifier vos chaînes de convoyeurs? Dans cette présentation, de quelle chaîne parlons-nous? Aujourd'hui, nous allons parler des chaînes à grande dimension et non des chaînes de transmission. Ce sont des chaînes qui sont avec des parts entre 50 à 250 mm. On retrouve ces chaînes, par exemple, dans différentes applications comme tout ce qui est cabine peinture, abattoir, four alimentaire, manutention automobile ou dans les transports, papeterie. Et donc vous retrouvez les différentes chaînes en exemple sur les photos à votre écran. Et donc un constat, c'est que 60% de la défaillance des chaînes sont dues à une mauvaise lubrification. Mais alors pourquoi il est important de lubrifier? Car la lubrification permet d'éviter l'allongement. Et au-delà de 3 à 5%, la chaîne doit être remplacée car elle use les pignons d'entraînement et risque de se casser. Sur le schéma que vous avez à l'écran, vous voyez deux chaînes. La chaîne d'en haut est une chaîne qui se comporte normalement, avec son pas normal. Alors que la chaîne d'en bas, vous pouvez voir le pas plus l'allongement, ce qui va créer l'usure. Et cet allongement de chaque axe douille multiplié par le nombre de maillons génère l'allongement global. Donc une chaîne qui s'allonge, c'est une chaîne qui s'use. Donc nous savons pourquoi il est important de lubrifier, mais maintenant, à quelle fréquence? Comme vous pouvez le voir sur le schéma, il y a 5 scénarios en fonction de l'allongement d'usure et du temps de fonctionnement. Sur le scénario A, vous avez un fonctionnement à sec, aucune lubrification est réalisée sur la chaîne. Donc là, on peut voir que la chaîne atteint directement les 3% d'usure. Sur le scénario B, une lubrification unique sans relubrifier. Donc là, même schéma. On a l'usure des 3% qui est atteint rapidement. Sur le scénario C, on a un fonctionnement à sec intermittent, donc un délai de lubrification beaucoup trop long. Et donc là, on voit que la chaîne s'use au fur et à mesure du temps et va atteindre aussi un allongement non négligeable. Sur le scénario D, vous avez une lubrification insuffisante. On voit qu'il y a quand même un allongement, même qui est minime, qui se produit. Et comme nous sommes dans un schéma de lubrification suffisante, vous avez très peu d'allongement et avec sur un temps de fonctionnement élevé. Donc plus la fréquence de relubrification est élevée, moins la chaîne s'allonge, plus sa durée de vie augmente, ainsi que celle des pignons d'entraînement. Et donc une durée de vie peut augmenter jusqu'à 60%. Donc la fréquence de relubrification est un facteur déterminant sur l'allongement de la chaîne et donc sa durée de vie. Donc concrètement, comment est représentée l'usure sur une chaîne? Donc là, on va prendre, donc on a vu qu'il y avait l'allongement, mais on va prendre aussi un autre exemple sur des chaînes à galets rouleaux porteurs. Donc vous avez un allongement qui se produit, mais aussi vous avez un autre phénomène. Donc là, dans la première étape, donc la chaîne est correctement lubrifiée, les galets porteurs tournent et supportent la charge. Au fur et à mesure du temps, sans lubrification, la chaîne est non lubrifiée et donc les galets porteurs ne tournent plus, se bloquent et glissent sur leur surface d'appui. Et encore quelques temps après, sans lubrification, le mal est fait et les galets représentent des plats sur leur face extérieure et ne peuvent plus tourner.
Donc on voit bien dans le deuxième scénario, en orange, que le mouvement de rotation n'est plus produit, car les galets sont usés. Et dans le dernier scénario, on voit concrètement que les galets sont complètement usés, et donc il y a des plats qui sont représentés. Et donc, ils ne supportent plus les charges, que la chaîne ne supporte plus les charges. Donc, une mauvaise lubrification entraîne donc l'allongement, comme on l'a pu le voir au-dessus, mais aussi entraîne une usure irrémédiable des surfaces externes des galets, comme vous pouvez le voir à gauche, une augmentation de la consommation d'énergie pour l'entraînement. Donc, le moteur électrique qui va permettre d'entraîner votre convoyeur va consommer beaucoup plus, car il doit appliquer plus de force, un positionnement modifié et un bruit donc, qui perturbe l'environnement de travail. Donc, quand est-ce qu'une lubrification est importante? Donc, quand la défaillance de chaîne impacte la production et génère des coûts. Quand les chaînes s'usent, les chaînes s'allongent, les chaînes sont trop bruyantes. Quand la lubrification manuelle des chaînes n'est pas une option ou est dangereuse, chronophage et coûteuse. Donc là, quand vous avez des opérations manuelles qui sont dangereuses pour les opérateurs, par exemple. Quand la consommation de lubrifiant n'est pas maîtrisée et donc coûteuse. Et quand il existe des risques de contamination de produits et ou de la chaîne par la lubrification. Donc, par exemple, si vous avez des carrosseries de voiture en dessous d'une chaîne de manutention, il n'est pas concevable d'avoir une tache de lubrifiant à cause d'un système de lubrification. Donc, la lubrification manuelle. Donc, je vais vous passer un film d'un opérateur pendant une opération de maintenance de lubrification manuelle. Donc vous voyez ici l'opérateur qui effectue une opération de lubrification de chaîne de façon manuelle, donc avec un pistolet de graissage. Donc il vient graisser donc l'intérieur de l'axe des galets. On voit que c'est une opération avec un environnement bruyant autour d'une machine qui tourne. Donc vous avez aussi l'opérateur qui n'est pas très à l'aise dans une position. Et donc, il stresse un peu sur le fait qu'il doit lubrifier tous les maillons. Donc là, il vient de louper un point à lubrifier, par exemple. Donc, cette séquence dure normalement 2 minutes. Donc, je l'ai raccourci là pour la présentation. Et donc, sur ces 2 minutes, on voit que 6 axes sur 50 n'ont pas été lubrifiés. Donc, ça veut dire qu'il y a 12 maillons manqués sur cette chaîne. Donc, la chaîne n'est donc pas dans de bonnes conditions pour un fonctionnement, et donc l'opérateur n'est aussi pas en bonne condition pour effectuer une opération de maintenance. Et on peut percevoir des difficultés de l'opérateur dans un environnement bruyant autour d'une chaîne en mouvement. Et nous avons aussi, sur certaines injections de graisse, la graisse qui ressort, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de graisse, alors que finalement, avec une bonne dose bien maîtrisée, la chaîne peut fonctionner correctement. Donc, ce qui nous fait dire sur la lubrification manuelle que c'est dangereux, car vous avez donc des chaînes en mouvement, un accès difficile, des environnements de température, ou si vous avez des convoyeurs en hauteur, c'est aussi très difficile d'accès. Ça prend du temps. On peut imaginer que on a vu une séquence de 2 minutes pour 50 maillons, mais si vous en avez 200 ou 300 maillons, c'est complètement différent. Une quantité non maîtrisée, donc sur la vidéo on était sur un phénomène de surlubrification, ce qui n'est pas aussi bon pour la chaîne, comme les phénomènes de sous-lubrification, où là on a une fréquence de lubrification qui est trop écartée. Donc pas assez souvent. L'erreur est humaine aussi, donc il y a des maillons qui sont oubliés, où on vient lubrifier au mauvais endroit et on vient contaminer les produits. Et aussi l'utilisation d'aérosols qui contaminent les produits et l'environnement. Donc, les avantages d'une lubrification automatique par rapport à une lubrification manuelle. Donc, sur le schéma, vous avez une courbe en rouge qui représente une lubrification manuelle, en vert la lubrification automatique et en pointillé bleu la lubrification optimale. Donc, quand on est sûr de la lubrification manuelle, vous apportez une dose de lubrifiant assez importante. Donc là, vous êtes dans un phénomène de surlubrification. Le lubrifiant est consommé petit à petit, sauf que la fréquence de lubrification n'est pas bonne, donc le lubrifiant est consommé. Et donc, on arrive après sur le phénomène de sous-lubrification. Donc, ainsi de suite. Et donc là, on perd en efficacité pour tout ce qui est élément tournant, comme des chaînes. Alors qu'une lubrification automatique, vous allez apporter une dose précise et de façon régulière. Donc, vous vous approchez au mieux de la lubrification optimale.
Donc ça marche, ce schéma représenté marche pour tout ce qui est chaîne, mais aussi ça marche pour tout ce qui est roulement, engrenage ou palier ou autre, tout élément tournant. Donc maintenant, comment lubrifier correctement vos chaînes? Donc sur les différents types de chaînes, donc on vient lubrifier les maillons, on vient lubrifier au point de friction, comme vous pouvez le voir sur les deux schémas. Donc ça concerne tout ce qui est plaque interne, plaque externe, axe douille, douille galet, galet et plaque interne. Et donc on a deux types de lubrification, une lubrification à l'huile par l'extérieur, donc là par gravité l'huile va venir lubrifier les différents points que j'ai mentionnés juste avant, et une lubrification à graisse par l'intérieur pour certains types de chaînes. Pour cela, nous avons plusieurs solutions. Donc les trois systèmes à gauche, quand on commence par la gauche, donc c'est pour des chaînes avec des pas inférieurs à 50 mm, donc des ponces continues. Donc système monopoint huile pinceau. Donc ensuite des systèmes centralisés huile pinceau, donc avec un automate qui nous permet de régler la fréquence de lubrification. Et ensuite une projection air huile, donc continue. Donc vous avez en bas les différents avantages de ces systèmes. Et ensuite, pour des chaînes beaucoup plus conséquentes, donc des chaînes avec des pas entre 50 mm et 250 mm, donc c'est de la dépose pas à pas. Vous avez des produits d'huile sans air pas à pas, donc le CLK que vous voyez sur le quatrième dessin, donc nous allons le détailler juste après. Ensuite, la projection air huile pas à pas, et donc le système d'injection de graisse aussi automatique, avec un automate qui peut être connecté avec des remontées à distance des différents éléments de lubrification. Donc pour installer ces systèmes, nous avons différents critères à prendre en compte. Tout d'abord, le lubrifiant. Alors nous pouvons vous préconiser le lubrifiant. Nous avons une gamme sur le catalogue MAPRO de lubrifiant pour les chaînes donc qui est disponible. Donc on peut échanger par rapport à ça, mais aussi on s'adapte à ce que vous disposez en stock chez vous. Donc en fonction de ça, on regarde si c'est de l'huile ou de la graisse. On vérifie la viscosité et le grade et s'il y a différentes spécificités. Et donc on vérifie si c'est compatible avec nos systèmes de lubrification de chaîne. Ensuite, on vient regarder les données techniques, donc tout ce qui tourne autour de la chaîne, donc la vitesse, le pas, la quantité de chaîne, la température de l'environnement, l'encombrement disponible et l'énergie disponible. Nous avons des systèmes qui sont 100% électriques, comme nous avons des systèmes qui sont 100% pneumatiques. Ensuite, les éléments économiques. Donc, en fonction du prix de la chaîne, on vient regarder quel est le coût de la solution que vous avez actuellement et qu'est-ce qu'on est capable de vous proposer. Et donc, ça vous permet de faire le calcul sur le retour sur investissement en fonction de tous les combien de temps vous changez de chaîne ou en fonction des différentes expériences que vous avez vécues. Et ensuite, on vient regarder l'environnement, s'il y a des risques de contamination avec des produits sensibles, si c'est un environnement humide, si c'est un environnement haute température, si vous avez un cahier des charges précis. Et bien sûr aussi faire la relation avec le service maintenance. Donc pour cela, nous avons le système CLK. Donc nous allons le détailler. Donc CLK, qui veut dire Chain Lubrication Kit. Donc c'est pour des convoyeurs avec des pas de chaîne entre 50 et 250 mm. Donc sur la photo en bas à droite de l'écran, vous voyez le système CLK qui est en place avec les buses et le détecteur. Donc le système CLK, ça représente le support et les buses, la partie tubulure et donc l'automate et son réservoir. Des exemples d'applications, donc transformation des aliments, donc tout ce qui est étuve, four de boulangerie, des fours à pâtisserie, transformation de légumes et de fruits. Dans la partie papeterie, les convoyeurs à pâte, les convoyeurs de rouleaux de papier. Sur la partie automobile, tout ce qui est cabine peinture ou convoyeur d'assemblage qui supporte de fortes charges. Donc, tout ce qui est matériaux de construction, la fabrication de briqueries et tuileries, ainsi que les séchoirs. Et sur tout ce qui est traitement des déchets, par exemple les convoyeurs à ferraille ou les convoyeurs à déchets biomasse. Donc le CLK est prévu pour des chaînes simples ou doubles. Donc c'est une solution sans contact où on vient apporter une projection de gouttes sur chaque maillon. Donc c'est un débit d'huile déposé et optimisé pour arriver sur les points de friction. Donc là, vous avez sur l'illustration, vous avez le CLK donc, qui est représenté à gauche avec les tubulures qui arrivent sur chaque côté de la chaîne avec le détecteur donc, qui va venir détecter chaque maillon pour faire de la projection précise. Il a été conçu et dédié pour la simplicité et l'efficacité.
Donc, tous les composants sont à l'intérieur de ce carton-là pour une installation possible par vous-même. Donc, vous retrouvez le détecteur, l'unité, support, tubulure, buse. Tout ça dans un même carton pour la commande. Donc, l'unité compacte est intégrée avec un automate, donc vous voyez l'écran de contrôle sur votre écran. Ensuite, vous avez les tubes inox qui sont faciles à installer, et donc les buses et capteurs sans air et sans contact avec la chaîne, donc ce qui permet d'éviter tout frottement mécanique et aussi de polluer la chaîne. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un volume d'huile dosé de façon précise, donc c'est 4 fois 30 mm3 pour chaque point de friction, donc ce qui représente des diamètres d'environ 4 mm de projection d'huile. Et donc, c'est adapté pour différentes tailles de chaînes et de conditions de fonctionnement. Donc, on a des buses qui sont capables d'aller jusqu'à des températures jusqu'à 200 degrés. Et ce sont des buses qui sont ajustables. C'est-à-dire que vous venez régler l'anthraxe entre les deux sorties de buses pour que ça soit adapté au point de friction de votre chaîne. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma à gauche avec la croix rouge, les buses ne sont pas bien ajustées. Il y en a une des deux sorties qui va projeter à côté. Alors que si on vient bien la régler, et ben, la projection d'huile arrive dans le point de friction, dans les points de friction. Nous avons deux modes de programmation possibles. Donc une progression automatique qui se déclenche automatiquement avec un nombre de maillons définis, donc une détection, une projection. Donc ça vous permet de vous adapter, de s'adapter au rythme de votre production, à des heures de fonctionnement. Et nous avons une programmation semi-automatique où là vous avez déclenché le cycle pour N maillons de chaîne, pour un nombre défini de maillons de chaîne. Et donc maintenant, la vidéo de présentation du système CLK, donc dans un environnement. Donc là, vous pouvez voir le support avec les deux buses, avec la tubulure inox qui arrive par le dessus. Donc les buses en acier inoxydable, associées à gauche au détecteur. Le détecteur va permettre de détecter chaque maillon de chaîne et donc de déclencher une projection précise d'huile. Donc c'est une unité 100% électrique, donc avec une pompe électromagnétique à l'intérieur, qui nous permet d'avoir une quantité de lubrifiant dosée de façon précise et pas à pas. Et donc l'unité dispose de l'automate, ainsi qu'un réservoir de 7,5 litres avec un contact électrique de niveau pour détecter le niveau bas, ainsi qu'un filtre. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est facile d'installation. Donc le kit, le carton que vous avez vu juste avant, est fourni avec des instructions de montage étape par étape et avec des images. Donc le CLK est capable de fonctionner dans différents environnements de travail. Donc sur des températures pouvant aller jusqu'à 200 degrés. Et donc en fonction des environnements, on s'adapte. Si on va mettre soit des capteurs haute température qui arrivent jusqu'à 180 degrés, ou soit des buses haute température, ou sinon la référence standard du CLK. Donc ça nous permet d'avoir différents environnements de travail, et aussi si vous avez une seule chaîne ou deux chaînes à lubrifier. Et donc le CLK est disponible sous différentes versions électriques, 230 volts ou 115 volts. Comme je vous l'ai dit, on a du lubrifiant pour tout ce qui est lubrification de chaîne. Donc ce sont des lubrifiants qui sont compatibles alimentaires avec l'homologation NSFH1 et une certification halal. Et donc c'est développé pour des applications à des températures élevées et un taux d'humidité important. Et donc vous pourrez retrouver ces différents lubrifiants dans le catalogue MoPro. Et bien sûr, nous regardons aussi ce que vous avez chez vous en place pour s'adapter. Les bénéfices de ce système et donc de la lubrification de chaîne: réduction de coûts, la durée de vie de chaîne peut être multipliée par 4 ou 5, et on vient réduire jusqu'à de 50 à 70% la consommation d'huile par rapport au système de lubrification manuel ou des technologies de pulvérisation. Amélioration de la sécurité, donc on passe par là par l'amélioration de la sécurité des employés. Donc éviter qu'une lubrification manuelle soit dangereuse avec un environnement en mouvement ou des risques de chute ou en hauteur. Et aussi par la sécurité des produits. Donc, tout ce qui est contamination alimentaire ou par exemple ce que je disais, carrosserie de voiture et les papetiers.
Donc ça facilite la lubrification des chaînes de convoyeurs car on n'utilise plus des méthodes manuelles ou d'anciennes méthodes. Et donc on vient faire de la projection d'huile. C'est facile à utiliser avec un automate. Et donc c'est disponible pour une majorité d'environnements industriels. Donc comme vous pouvez le voir sur les photos à droite, s'il y a vraiment des environnements très difficiles, on peut mettre ça dans un coffret où effectivement il est adaptable à des environnements haute température et humide. Donc quelques retours de nos clients. Des économies de 3 600 euros par an sur l'achat d'huile pour un producteur de pizza en diminuant sa consommation de 28 litres par mois à 8 litres. Ensuite, une réduction des heures de maintenance et l'augmentation de la durée de vie de la chaîne pour un producteur à papier, tandis que la charge sur le convoyeur a augmenté. Et des économies de 50 à 75 % sur la consommation d'huile de son graissage d'une entreprise de recyclage des métaux sur un convoyeur de ferraille. Donc voilà, on passe effectivement d'une réduction de coût d'achat. On passe aussi par une réduction d'heures passées sur des chaînes de convoyeurs, mais aussi on passe sur une réduction des risques d'accident. Et donc pour conclure, les avantages de l'épuration automatique, donc pas de danger pour l'opérateur, moins de temps passé pour tout ce qui est service maintenance avec l'épuration automatique. Un dosage précis, donc qui nous permet de réduire la consommation de lubrifiant et d'atteindre réellement les points de friction de la chaîne. Une fréquence de lubrification maîtrisée optimale, et donc pas de maillon oublié. Et ensuite, pas d'aérosol utilisé ou une lubrification manuelle, ce qui nous permet tout cela d'optimiser la durée de vie des chaînes de convoyeurs. Voilà, j'ai terminé moi pour cette partie présentation.